On sait pas où on va, mais on y va, en espérant que cela nous mène vers la liberté. On sait ce qu'on veut et on se bat avec la force et la magie de la vérité. Les enfants tiennent les rêves. La jeunesse veut entrer en scène, elle veut briser les chaînes qui la tiennent de tous côtés. L'insurrection est légitime quand la justice est erronée. Alors il faut bien qu'on pousse le train vers la vérité. On sait ce qu'on voudrait, c'est se lever comme un seul homme pour courir vers notre dignité. Mais on a si peur qu'on se regarde en espérant qu'un de nous veuille se sacrifier. C'est un appel au secours. Dans ma vie, il n'y a plus d'espace pour la haine. Mais ce chemin est truffé de mine. C'est un appel au secours. Par pitié des armées, mes bébés, mes petits frères. Ah, j'allume des cierges pour ceux qui sont partis. Il y avait des signes de détresse. Alors à Tunis, ils ont frappé. En levant le poing dans la rue, ils scandaient la paix. L'Afrique va se réhabiliter, ce n'est plus qu'une question d'années. Alors arrêtez d'intégrer dans mon crâne que c'est désespéré. On sait ce qu'on voudrait, c'est se lever comme un seul homme pour courir vers notre dignité. Yeah, yeah. Mais on a si peur qu'on se regarde en espérant qu'un de nous veuille se sacrifier. La 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 la. Chaque son a son histoire et c'est vrai que tel que je possède, composer, c'est comme un enfant en gestation, en considérant que l'accouchement se fait à la sortie, à la présentation de l'album. Et l'album finit par constituer un panel de triplé, de quintuplé, on dit quoi, octuplé, je ne sais pas, vu qu'un album commence vraiment à 6 titres. Et pour l'histoire de cette chanson, c'est le décor, c'est une scène. Au Gabon, l'Institut français, et on reçoit un artiste international à Wadi, si je peux le citer. Et il m'invite sur scène à faire une improvisation. Et l'avantage que j'ai, c'est de tout ce qui est mouvements sociaux, politiques, culturels, je les porte et je les ressens, je fais un avec. Ce qui me permet en général d'avoir une improvisation facile pour ne fût-ce que d'écrire tout ce que je ressens. Et puis, c'est cette méthode que j'opère alors, sur scène.
Et ça sort un merveilleux panel de paroles, en fait. Alors, je ne réalise pas ce qui se produit, mais quand je termine, la foule est en liesse. Donc, quand je rentre chez moi, je me dis, bon, c'était une superbe soirée, sans plus. Et puis après, quoi, 2 ans, je dis, tiens, j'avais fait un truc sur scène qui concorde bien avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je m'en vais chercher les organisateurs du spectacle pour savoir s'ils avaient gardé un enregistrement afin que je puisse récupérer ne fût-ce que 3 ou 4 phrases sur les paroles. Je ne les retrouve pas. Mais désespérément, j'abandonne. Et puis après, comme ça, tout d'un coup, sur une balance, ça revient tout seul. Alors voilà l'histoire de ce son. Ce son raconte exactement ce qui se passe en Afrique. Ce son, c'est un peu la température des mouvements sociopolitiques, le positionnement de la jeunesse par rapport à ses ambitions, ses projections, ses objectifs, la lutte contre les dictatures, tout ce qu'on peut retenir ou ressentir comme émotion par rapport à tous les phénomènes regrettables, les enfants dans la guerre, les titres posthumes, les hommages à des personnes qui étaient des personnes de valeur, qui représentent des exemples et qui nous ont quittés dans ce combat-là. Et toute la beauté qu'il y a dans le combat de l'Afrique, dans l'histoire de ce continent, en fait. Et puis aussi les vérités personnelles, c'est-à-dire il me faut plus de courage pour me permettre de revendiquer toutes les impressions des gens, la culture de la peur. En fait, c'est tout ça que ce son-là retraduit en portant un hommage au continent, à l'Afrique. Voilà, c'est ça.